Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un déballage et une présentation d'un accessoire indispensable de chez Nintendo. C'est le GameCube Controller Adapter, donc c'est l'adaptateur, oui, pour une manette Nintendo GameCube, pour brancher soit sur une Wii U, si vous êtes possesseur encore d'une Wii U, ou soit pour le brancher donc sur votre Nintendo Switch, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, on va dire, à Super Smash Bros. Ultimate, en sachant que j'espère que plus tard, comment dire, j'espère que plus tard Nintendo sortira, ressortira en fait des jeux GameCube comme il est en train de faire avec la NES, c'est-à-dire que quand vous êtes abonné au Nintendo, comment dire, au Nintendo Online en fait, comme le PSN ou le X-Game Pass de chez Xbox, voilà, on a accès en fait à une panoplie, à une ribambelle de jeux NES et une ribambelle de jeux SNES. Et dont ils font des mises à jour, on va dire, enfin, dont ils rajoutent quelques jeux mois par mois, histoire d'attirer un peu plus les joueurs pour payer l'abonnement au Nintendo, Nintendo Online. Voilà. J'espère qu'ils sortiront par la suite après des rééditions, en fait, des jeux GameCube, c'est-à-dire, alors peut-être pas Super Mario Sunshine, parce que là, ils l'ont ressorti sur Switch avec le Mario 35e anniversaire, mais du style des jeux comme F-Zero GX ou autres. Voilà, donc pour ceux qui sont habitués aux manettes GameCube pour jouer Super Smash Bros, je vous conseille clairement cet adaptateur pour les Nintendo, enfin pour les manettes de GameCube, parce que il y a d'autres adaptateurs qui existent, mais a priori, d'après certains commentaires que j'ai vus sur Internet et d'autres tests par d'autres personnes, il y a des fois des problèmes de latence, des problèmes de connectique aussi, etc., etc. Donc je pense qu'il vaut mieux rester sur cet adaptateur, malgré un gros point noir, c'est son prix. Là, je l'ai payé, alors je ne sais plus où exactement, mais je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Je trouve que pour un adaptateur, c'est extrêmement cher. Voilà. Je le voulais en plus parce que je préfère avoir des choses officielles de chez Nintendo et être sûr derrière de ne pas avoir de problème. Donc voilà, mais je trouve quand même que c'est exorbitant. Je crois qu'on peut le trouver, enfin vous pouvez le trouver d'occasion sur Le Bon Coin à 20-25 euros ou 30 euros. Il me semble que neuf, cet adaptateur, quand il est sorti, devait faire une vingtaine, ouais, entre 20 et 30 euros. Maintenant, neuf, c'est une cinquantaine d'euros. Et si vous allez sur eBay, alors j'y suis pas allé, mais je suis certain que vous le trouvez neuf à des prix exorbitants. Ça se trouve peut-être 60, 70, 80 ou plus. Limite, ça se trouve, si vous en trouvez d'occasion, ça se trouve, vous le trouverez peut-être même à 30-40 euros. Donc, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà. Les produits de chez Nintendo, c'est de la folie. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la folie de trouver des produits aussi chers. Alors, bon, je sais que il y a certains produits qui sont recherchés, mais voilà. Donc, moi, je l'ai acheté pour l'utiliser sur la Nintendo Switch pour jouer à Super Smash Bros. Voilà, et utiliser la manette, donc cette manette-là que j'avais achetée il y a quelques mois et dont j'ai fait une vidéo. Voilà, je vais vous montrer laquelle c'est, ce modèle-là. Voilà, donc c'est une manette officielle Nintendo GameCube. Voilà, que j'avais acheté. Alors celle-ci, je crois que je l'avais prise sur Amazon, il me semble, hein. Voilà, ça fait un petit moment, j'ai fait une vidéo, hein, de présentation, déballage comme je fais d'habitude. Donc ça va de pair avec ça. Si vous avez des manettes non officielles, je ne peux pas vous affirmer que ça fonctionne avec l'adaptateur de manette GameCube. À essayer. Alors moi, je n'ai pas de manette non officielle. Je vais peut-être essayer d'en acheter une ou deux pour tester, pour voir si on a la même sensation. Après, je suis pas certain que voilà, mais bon, on va quand même essayer et voir ce que ça donne. Et après, par la suite, essayer sur l'adaptateur GameCube. Je vous en ferai peut-être un retour après, après test. Voilà. Mais on va passer donc au déballage et puis à la présentation du produit vite fait. On va faire le tour un petit peu du propriétaire. On voit que ici, donc c'est bien marqué comme quoi c'est compatible avec Nintendo Switch et la Wii U. Et qu'à la base, c'est vraiment à la base, ouais, ça a été fait pour le Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch pour la Wii U. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Alors, il faut deux prises USB. De toute façon, on le verra au moment du déballage. Et c'est vraiment uniquement pour brancher des Nintendo GameCube avec le port de branchement GameCube. Derrière, on a le contenu. Voilà. Donc, je vais faire un petit avant. Hop. Un petit focus. Tac, 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 tac. Cet accessoire vous permet d'utiliser des manettes Nintendo GameCube DOL-003 pour jouer à Super Smash Bros. Ultimate.
Vous pouvez donc, on peut y brancher jusqu'à 4 manettes GameCube avec deux adaptateurs. Vous pouvez jouer à Super Smash Bros. Ultimate avec 8 manettes en même temps. Et donc, c'est marqué un hub auto-alimenté vendu séparément est nécessaire. Pour plus d'informations, visitez le support Nintendo. Alors, visitez support.nintendo.com. Voilà. Ce côté-là, on a bien ici où c'est noté Nintendo GameCube Controller Adapter dans toutes les langues, devant la petite présentation, etc. Le dessous, voilà. On va passer au déballage. Donc, on va essayer de ne pas l'abîmer. Tac, tac, tac. C'est vraiment un petit adaptateur qui est... Enfin, c'est vraiment super... Enfin, il est très très bien. Alors, par contre, j'arrive pas du tout à l'enlever. Quel est le problème? Voilà. Oula, pardon. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit livret. Voilà. Donc, c'est la petite notice explicative. Hein. Voilà, c'est même pas l'ouvrage. Je sais même pas s'il y a un dessin, quoi que ce soit. Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial à part en multilangue. Voilà. Donc, ça... Pas très utile. On va passer au milieu du sujet. Donc, l'adaptateur en lui-même. Donc, déjà d'une, alors je suis content parce qu'il est neuf, il n'est pas d'occasion. Je pensais avoir mal vu, voilà, mais on m'a dit qu'il était neuf. Donc là, je peux confirmer qu'il est neuf. Hein, on le voit direct. Hein. Alors, on voit qu'il est pas. Il est tout beau, tout propre. On voit en dessous. Ouais, alors c'est pas bien lourd. Hein. Bon, il y a les petits vis Treewink si vous voulez vous amuser à y démonter pour y réparer ou faire autre chose. Donc, on a bien le port manette 4 branchements. Voilà, donc pour brancher 4 manettes. Comme dit, donc sur la boîte, on peut y brancher avec un hub. On peut y brancher un deuxième, donc avec un hub auto-alimenté, ou alimenté, je pense même. Un deuxième hub pour pouvoir jouer à 8. Donc ça, c'est super sympa. Faut savoir aussi une autre chose. Alors, le câble a l'air, je ne vais pas le défaire maintenant, mais le câble a l'air très très long. Voilà, donc il faut deux prises. Donc, je pense qu'il y en a une qui va servir à l'alimentation et l'autre à la reconnaissance en fait du hub par la Switch, par la Wii U ou par le PC. Et là, je vais justement venir là. C'est que normalement, si vous êtes adepte des émulateurs de chez Nintendo et que vous cherchez donc un adaptateur qui fonctionne sur PC, normalement, si je ne me trompe pas, celui-là fonctionne bien sur PC. Alors, je ne sais pas s'il lui faut un pilote ou pas, mais normalement, je ne pense pas. Et comme ça, vous pourrez y brancher directement vos manettes et pouvoir jouer à vos jeux, entre guillemets, GameCube avec un émulateur sur PC. Donc, si vous êtes adepte des émulateurs, voilà, vous pouvez aussi utiliser cet adaptateur GameCube, enfin manette GameCube, sur votre ordinateur. Voilà. C'est tout, voilà. C'était pas long, hein, pour une fois. Donc c'était un petit adaptateur, donc qui est très sympathique, voilà, à avoir, je pense, pour ceux qui ont des manettes GameCube, une Wii U et une Switch. Et si vous voulez jouer à Super Smash Bros Ultimate, voilà, à savoir qu'on peut le brancher aussi donc sur PC, voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je ferai peut-être un test. Si le seul défaut, hein, comme je l'ai dit, c'est son prix. Je trouve quand même que c'est un peu cher pour un adaptateur à 50, enfin 50 euros, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Mais bon, après, la rareté fait que les prix augmentent et surtout pour un produit neuf. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaierai d'en faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. J'ai d'autres vidéos en cours, donc c'est pas évident pour moi. Entre mon petit boulot et mes filles et la vie, etc., en règle générale. Donc je fais au mieux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez, surtout partagez, et mettez le petit pouce qui va bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut !